Salut tout le monde, c'est Camille Sculpteur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un add-on avec mon collègue qui est juste là. Il y a Simon Kaplan. Vous avez capté. Donc les règles du add-on, je vous explique en 2 secondes. Ouais les gars, c'est Camille du futur. J'ai oublié de vous dire les règles de l'add-on, du coup je l'ai dit ici. Donc les règles, vous les connaissez pour certains. Donc en gros, c'est un enchaînement de figures. Ça va être une line qui va commencer d'un trick et on va évoluer jusqu'à atteindre plusieurs tricks. Donc par exemple, je commence par un triple whip. Simon, il va devoir faire triple whip. Et ensuite, il va rajouter son trick. Donc par exemple, bar whip. Et après, ça va être à mon tour. Je vais faire triple whip, bar whip. Et je rajoute un trick, etc. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fail. Et on a un essai et un bonus. Donc vous allez voir, c'est parti. Donc là, les gars, on est au skatepark de Latte. Donc c'est à côté de Montpellier. Donc vous voyez, il y a un gros spine, une grosse box, des courbes juste ici, un petit plan avec là, une courbe. Enfin bref, c'est un bon skatepark. N'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Franchement, c'est un bon skatepark. Si vous habitez près de Montpellier, je vous conseille vraiment ce skatepark. Il est vraiment sympa. Les gars, si vous voulez aller au skatepark, c'est l'arrêt Cougourlude. L'arrêt, il est là-bas, il s'appelle Cougourlude. Donc les gars, maintenant on va se retrouver pour la vidéo. Donc on va faire un add-on, on va se donner des défis. Enfin bref, vous avez capté, petite session de ride. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir. On a dépassé les 30 000 abonnés. Je vous remercie énormément. C'est un truc de ouf, les gars. Là faut viser les 30K. Du coup, on vise les 50K à la fin de l'été. Enfin, je sais pas, on va voir. Ça dépendra de vous. Donc n'hésitez pas à bombarder le bouton rouge. Mettez un like si la vidéo vous plaît. Mettez 500 pouces bleus. C'est l'objectif à chaque vidéo et à chaque fois. Des fois, vous le dépassez. Franchement, vous êtes les boss. Et aussi, mettez un commentaire, des idées de vidéos, n'importe quoi. Je réponds à tous les commentaires sur la chaîne YouTube. Je dis ça dans toutes les vidéos. Je réponds à tous les commentaires. À chaque fois qu'il y a un commentaire, j'y réponds. Mettez tous Cougourlude dans les commentaires. Il vous répondra. Cougourlude. Ouais, vas-y, mettez Cougourlude, hashtag Cougourlude dans les commentaires pour les vrais là. Donc, du coup, maintenant, les gars, avec Simon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer sur le parc. On va faire des petits échauffements là juste avant on va de commencer. Une petite laisse comme ça, regarde. Voilà, il va s'échauffer là. Voilà, c'est ça. Du coup, on va se retrouver sur des plans stylés d'échauffement et après, on se retrouve direct sur la donne. Ouf. Bon, les gars, là, il y a Camille qui a un petit problème. Les gars, le truc, c'est que j'ai oublié mon casque. J'avais des partiels ce matin. Il y a Simon qui me passe son casque. Alors, tu vois, il m'a dit, ouais, vas-y, mets-le et tout. Il va pas être trop grand pour toi et tout. Voilà, je vais mettre le casque juste pour des gros tricks. Tu m'y attendais pas. Mais du coup les gars, je mettrai le casque juste pour des gros tricks. Et je suis vraiment désolé, genre, je pourrais pas mettre le casque genre pour des petits tricks chill et tout parce que c'est vraiment genre. Regardez ça. Camille, là j'ai une proposition à te faire. Ouais, dis-moi. Durant tous les jeux qu'on va faire sur le skatepark là. Ok, les add-ons, tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Dès qu'il y en a un des deux qui dit Cougourlude. Okay. Moi, si je dis Cougourlude, tu fais un flair. T'as 5 secondes pour faire un flair. Ouais. Peu importe où c'est. Et moi, j'ai 5 secondes pour faire un kickless. Ah, c'est pas le même niveau, mais on s'en bat les couilles. Ah ouais, c'est toi qui te fais niquer dans l'histoire. Oh, Cougourlude. Alors du coup, vas-y, en vrai, vas-y, ça va être marrant. Du coup, à chaque fois qu'on dit Cougourlude, ouais. Genre, mais vas-y, on dira à partir de quand ça commence. Du coup, à chaque fois qu'on dit Cougourlude, genre moi, si je dis Cougourlude, tu fais kickless. Toi, ouais. Si je dis Cougourlude, je fais flair. Ok. J'ai 5 secondes pour le faire, il y aura un timer. 5 secondes, c'est pour ça que, genre, on pourra faire des petites stratégies. Genre, imaginez, on est tout au bout du parc, là, il a 5 secondes. Et si on le fait pas, il y a quoi comme gage? Une grosse calbotte, mec. Une grosse calbotte. Refais ce que t'as fait. Tu fais une grosse calbotte, genre. Oh les gars, votre pote il est en roue libre à votre youtubeur préféré là, c'est pas normal là. Bon allez, ça part. En vrai ça part, mais vas-y du coup les gars, on se passe sur les tricks échauffement, c'est parti. Une manche. Yo. Ça c'était propre. Cougourlude. 1, 2, 3, 4. Oh. Il brille là en plus, j'ai pas gâché sur les tricks à la fin gros. Eh ouais mon gars, c'est ta règle hein. Cougourlude. Cougourlude. 1, 2, 3, 4. Bah. Attends, c'est quoi le gage quand on rate déjà? Cougourlude, Cougourlude. 1, 2, 3. Cougourlude, Cougourlude. C'est la vengeance. Ok, donc les gars, je sais pas si vous avez vu, mais du coup Simon, ça a été le premier à avoir raté un Cougourlude. Du coup, je venais de faire une line et il me demande d'en faire un en place, c'est fou. Et ouais. Alors du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que le premier défi, en fait, à chaque fois que quelqu'un rate le défi Cougourlude, et eh ben genre l'autre lui impose un défi. Moi, le premier défi que je lui ai imposé, c'est tu vois là-bas il y a une fontaine. Ouais, je disais, tu vois là-bas il y a une fontaine là-bas. Ouais. Et eh ben tu vois ta belle casquette. Ouais. Et eh ben va finir toute mouillée mon pote. Allez, premier gage, en vrai c'est gentil. Il fait chaud, tu te mouilles la casquette.
dans le tram tout à l'heure, il vous a pas dit, mais il a perdu un pour combien, Camille? Le pour combien, c'est tricks dentés sur la boxe. Donc il doit faire un tricks dentés sur la boxe. Pourquoi tu dis ça Ah bah frère. On coupe là. Bon les gars, Camille là pour le dernier tricks d'échauffement, il va faire le tricks denté directement comme ça c'est fait. Il a très peur parce que regardez quand même en transfert c'est chaud parce que la boxe est hyper raide. Genre tu te loupes, bah c'est la tête sur le sol. Et Camille vient de dire qu'il déteste le tricks denté. Coucou lutte. 1, 2, 3, 4, 5, c'est loupé, j'en ai rien à foutre, c'est loupé. C'est loupé, gros! Mais mec, mais t'es. Ah, t'es une espèce de chenipan! Chenipan! Oh, y'aurait une photo de chenipan! Ah, le gage, je le garde pour après, les gars, je l'ai en tête, je vais le dire à la cam et je le garde. Donc, va mettre tes genouillères! Et après, y'a le gage! C'est parti! Ok, les gars, le défi de Camille, ça va être de faire un flair. Eh, laisse-moi parler! Le défi de Camille, ça va être de faire un flair, mais d'habitude, on met les mains comme ça sur la trotte, et bah, il va mettre les mains en dessous de ses poignets, les deux, pour faire un flair. Pense qu'il va galérer? Ça va être très drôle à voir. C'est parti. En vrai, c'est faisable, les gars. Mais comme je vous ai dit, je m'excuse. Genre, je peux vraiment pas rouler avec le casque. Genre, tout à l'heure, comme vous avez vu, genre, le casque, il fait que. Genre, ça, j'y vois rien quand je roule avec le casque. Comme j'ai oublié, tous les tricks que je fais, je les fais sans casque. Je suis vraiment désolé. Faites attention, les gars. Mettez toujours un casque. Moi, c'est vraiment exceptionnel. C'est que j'avais les examens tout à l'heure. Et vas-y, je suis en tenue d'examen. Tu vois, genre, j'ai le jogging large avec les superstars. Enfin, bref. Donc, les gars, faites attention. Rouler avec un casque, c'est hyper important. Là, c'est vraiment cas exceptionnel. Mais vas-y, on va mettre le truc. Non, non. Wesh. Oh, wesh. Non. Oh, la récepte, gros. Bon, du coup, t'es content là? Tu l'as mis? Ouais. Ok, ton défi, c'est de faire un flair. Mais ouais. Un flair. Tu vois tes mains comment elles sont sur le guidon? Oh non. Ah si. Ah si. Un flair comme ça? Exactement. Oh, j'ai jamais essayé. En vrai, vas-y. Let's go. On enchaîne sans coupure. Je réfléchis même pas, j'essaie maintenant. Vas-y, on y va sans coupure. Sans coupure. Zéro coupure, les gars. Je vous jure, il a tenu à me dire. Ouais, non, je te le dis hors caméra. Enfin, je te le dis pas hors caméra parce que. Vas-y, tu. Je te fais la surprise et tout. Ouais, je l'ai pas dit avant. Eh, en vrai, c'est facile en vrai. Backdrop comme ça dans une prochaine vidéo. Je dis ça, je dis rien. Prochain gage. Ok, allez, vas-y. Allez, hop, vas-y. Ça. Wow, trop clean. Cougourlude. 1, 2, 3, 4, 5, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Non, 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 pour le flair, tu me l'as fait. Pour le flair. Non, non, c'est pas validé. Tu m'as fait le même pour le flair. Ok, c'est bon. Mec, toujours t'as un défi. Ok, attends, je vais réfléchir au défi, les gars. Ok, les gars, du coup, là, je viens de trouver le défi pour mon petit Simon, là. J'ai envie qu'il fasse un Wii France Foot Cross Foot. Ça, jusqu'à là, ça va. C'est ouais. Par contre, avec ma trotte. Ah ouais. Donc il a jamais roulé. Donc là en plus, comme vous avez vu, c'est pas ma trotte habituelle, c'est une trotte plus grande. Genre là elle est en 72 cm de haut. Attends, envoie ta trotte. T'as dit quoi? Je vais me tuer, frère. Mais non, ça va passer. Moi je dis t'as 3 tries pour le mettre. Vas-y, ça part, on va faire sur la courbe là-bas. Donc comme vous avez vu les gars, du coup c'est pas ma trotte habituelle. Là j'ai mis une barre qui est en 72 cm de haut et le deck Apex en 5 wide que je vous avais ouvert dans une des vidéos. Donc du coup c'est ma trotte entre guillemets pour chill et tout, enfin vous avez capté. Ouais. Eh, hey, il y a des gens en commentaire, ils disent que j'ai les doigts tordus. Attends, est-ce que j'ai les doigts tordus en vrai? Oui, de fou, mec. Oh, ils sont en Y, tes doigts. Mec, j'ai les doigts. Oh, dites en commentaire si j'ai les doigts tordus. T'as dit quoi? Quel enfoiré. Bon, allez, vas-y, du coup, on se retrouve sur. Oh, c'est tellement dangereux, mec. Oh! Allez, les gars, prochain try. Prochain try. Yo! Voilà mon gars, validé! Validé mon gars! Ok les gars, du coup là on va passer sur un autre jeu, donc c'est le add-on. Le principe du add-on, c'est imaginons Camille par exemple, donc c'est sur un spot, imaginons on fait sur la Pyra. Camille fait un whip, et bah. Un whip? Attends, je vais arriver sur ce qui vient de se passer là. T'as un whip fatigué gros! Exemple sur la Pyra, Camille fait un whip. Moi je dois faire un whip et un autre tricks. Et après Camille, il doit faire un whip, le tricks que j'ai fait, plus un autre tricks.
Voilà. Et en fait, c'est une line, c'est des tricks qui s'enchaînent. Et en fait, ce qui est dur, c'est que c'est le cardio en fait. Et surtout, les gars, ce qui est dur, c'est de se rappeler des tricks. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit. Ouais, on arrive genre... à des lines où il y a genre une vingtaine de tricks après. On n'a pas le droit de dire c'est quoi le trick. Genre vraiment, il faut se rappeler. Et des fois, ça, genre, ça va jusqu'à 20 tricks. Donc, vous allez voir, c'est super cool. On va faire ça en deux manches. Donc, on va commencer en premier par la pyramide qui est juste là. Donc, on va commencer en premier sur cette pyramide juste là. On va faire un add-on là-dessus. Ok, du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer. On fait la manche du Shifumi pour savoir qui c'est qui va imposer le premier trick. Le gagnant impose le premier trick. C'est parti. Qu'est-ce qu'il gagne, celui qui gagne? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Ah ouais, vas-y, vas-y, on met un truc en jeu. Celui qui perd, il va devoir payer la boisson, donc une bouteille d'au moins un litre à l'autre. Ouais. Ok, ça me va, voilà. Ça me va, marché conclu. Ouais. Coucou Lude. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bon, je t'ai eu là. J'avais oublié que j'avais la trotte dans mes mains, j'ai trop le seum, putain. Du coup, les gars, on se retrouve pour la linéo sur le plan 5. En 3, 2, 1. Si, fou, mais. Allez, ça commence. Allez, c'est Simon qui commence. Ok, bar spin. Whip. Marie-Madeleine. Il. De l'autre côté. Double whip. Ok, c'est parti. Oh, ça va, gros? Ouais, ça va. Ah oui, du coup, on a oublié de préciser, mais du coup, là, comme là, Simon, il vient de rater un trix, donc il a pas perdu, vu que c'était à lui d'imposer le trix, du coup, c'est simplement à moi d'imposer un trix à sa place. Ok, kickless. Allez! Eh les gars, je vais y arriver au Whippix Ride parce que j'ai envie qu'il perde. C'est la seule façon pour que Camille perde là sur cet add-on. Donc je vais y arriver. On va voir, hein. On va voir, les gars. On va voir. Yo! Oh le bâtard! Oh non! Oh quoi? Oh mais quoi? Mais les gars, en descente de plan 1, ça paraît pas, mais c'est hyper dur. Attendez, mais les gars, là Simon il vient d'imposer une dinguerie. Je sais même pas le faire et c'est pour ça qu'il l'a imposé. Eh, franchement. Je vous dis, il y a très peu de chances que je le mette, ben je vais essayer de le faire, mais du coup j'ai quoi? Enfin, faut que je mette la line et j'ai deux tries sur tries. Allez! Il prend, les gars, il prend son essai bonus. Dites en commentaire si à votre avis il va le mettre. Moi je pense que c'est compliqué. En vrai il peut, mais je pense que c'est compliqué. Let's go! C'est impossible! La défaite écrasante! Oh les gars, les gars, je paye un McDo à tous les mecs qui me l'envoient en vidéo. Non, je rigole. Oh les gars, vous avez entendu? Il paye un McDo à tous les gens qui le font et qui lui envoient en vidéo sur Insta, les gars. Bombardez, vous payez un McDo tous. Voilà, si je vous vois en vrai, vous me dites ouais. Tammy, enfin genre si tu me vois en vrai dans le skatepark, tu montres une vidéo où t'as mis Whippix Up sur un plank en descente, y'a un vide ma mère, tu payes un McDo mon pote. Eh, j'ai annoncé. C'est impossible. Y'a que lui qui sait faire ça. C'est impossible. C'est parti les gars. Je faisais ça, je savais pas faire barre encore. Ouais mec, ça me disait. Du coup les gars, première manche, Simon il a gagné. Bien joué à toi mon gars. Eh bien joué mon gars. Chaud, gros. Bon, j'ai fait un peu la pupute hein. Bah gros, c'est le jeu, bravo. Du coup on se retrouve sur la deuxième manche, on va faire ça sur la courbe juste là. Et c'est parti, on va essayer de prendre une revanche hein. Ok les gars, du coup là on se retrouve pour le deuxième module. C'est ma vidéo, c'est moi qui parle. Ok, du coup là, okay. Vu qu'il a perdu la première manche, c'est lui qui va commencer sur cette courbe juste derrière. Ok, là. En fait on a choisi cette courbe parce que toutes les autres en fait elles sont beaucoup plus raides. Et celle-là c'est la seule qui est vraiment bien du parc. Donc voilà. Ok, vas-y c'est parti, j'impose le premier trick.
ça commence. Attends, et montre si je peux le faire avec ta trotte pour voir. Oui. Genre, ok, tiens. Concours lutte. 1, 2, 3, 4. Allez, je vais rien à foutre. Ah, ça compte, non, ça compte pas. Putain, je m'en fous. Et alors? Mais je pouvais pas faire flair sans trotte. En vrai, j'ai lancé. Ok, ton défi, c'est tu vas voir une voiture qui est arrêtée. Ouais. Et tu lui demandes un snap. Quoi? Attends. Genre une voiture elle s'arrête au feu rouge. Ouais, et tu demandes un snap. Vas-y, okay. Excuse-moi, mais tu prends le téléphone et tu filmes. Ok, bah toi tu me filmes. Non, 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 tu faut que tu sois à côté, genre faut que ce soit toi qui. Tu filmes en scred. Ok, je filme en scred. Ok, vas-y, ça va. Excusez-moi, monsieur, vous allez bien? Oui. Ouais, en fait, je dois juste relever un défi. Je vais vous poser une question. Ouais, ça vous dérange si je vous filme ou pas? Non, de quoi? Est-ce que vous avez un snap? Vous avez pas un snap? Je suis pas dans les réseaux sociaux. Ok, non, mais c'est bon, bah, parfait, merci à vous. Hein. Également. Allez, bonne journée. Salut, ciao. Allez-y. Wesh, oh mec, oh. J'ai sauté trop tard, genre dans la. Putain, mais. Bah, il a raté. Triple whip. Quad. Ok les gars, là je pense que j'ai perdu parce qu'avec la line, normalement je le mets strict mais faut forcer. Ouais, le cardio est chaud. Et avec la line là, le cardio ça va être impossible, mais on va essayer. Il va essayer, il va essayer. T'as oublié un trick? Le kickless. Oh non. Ah, il a perdu. Oh non. Il a perdu gros. C'est éliminatoire ça. T'as déjà utilisé ton bonus, c'est éliminatoire. Je te dis, j'ai oublié un trick. Casse les couilles. T'as perdu mec. Ah dommage, dommage, dommage. Ok les gars, du coup on avait dit qu'on a fait deux manches. Enfin qu'on faisait deux manches. Ouais. Et lui il a gagné la première. Moi j'ai gagné la première. La deuxième. Enfin la deuxième, ouais voilà. Et du coup les gars c'est un match nul. Bon du coup ben, ce que je vous propose les gars c'est qu'à 1500 si, likes. 1500 likes les gars, si vous voulez une troisième manche, une revanche. Ouais. Pour savoir qui a tout gagné. Et pour savoir qui c'est qui va payer, moi je dis le McDo. Il y a un McDo. McDo, ok. Et là du coup on fait comment? Comment ça? Y'a personne qui paye rien du coup là. Moi je dis on fait un Shifumi. Shifumi? Ouais. Okay. T'es prêt? T'es prêt? Vas-y. Shifumi. Oh, ok, c'est moi qui vais ralasser la boisson. Il va me ralasser la boisson, let's go, j'ai trop trop soif. Du coup les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le bouton rouge est juste là, vous cliquez, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mettez un commentaire. Oh, Cougourlud! Cougourlud encore? 5, 4, 3, 2, 1. Ah putain! Mais mec, je peux pas. J'ai pas pris ma trotte. Allez. Mec, cette vidéo n'est jamais terminée. Ok, gros, le gage, c'est... Oh mec, ouais. Ça te dirait qu'il fasse un backdrop avec ta trotte? Quoi? Non, non. Tu fais un backdrop avec sa trotte? Non, je peux pas faire ça. Si, si, si. Tu fais un backdrop avec sa trotte. J'ai jamais fait ça. Gros, de où tu veux, mais tu fais un backdrop avec sa trotte. Ok, du coup, il va faire un bributeur avec la trotte. Personne. Comment il s'appelle? Baptiste. Baptiste, tiré du bas, G-O-M-B-A-U. Vas-y, bon, on va essayer, vas-y, on voit la trotte. Ok, la trotte, c'est une Barconos, un SCS Blunt, un deck, c'est quoi le deck? Fusion. Le Spencer V2. En vrai, les légères, je pense que ça devrait passer, mais on va voir. Wow, first try, gros. Mais attends, quoi? Quoi? La barre était à l'envers. La barre était à l'envers. Quoi? 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 Mec, la barre était à l'envers, gros, attends. Mais quoi? Les gars, il a fait un bribeteur avec pas sa trotte et la barre à l'envers. Je suis sûr que t'avais exprès. Je suis sûr que t'avais exprès. La prime, ma mère, j'ai pas fait. Vas-y. Oh, les gars, c'est la fin de la vidéo. Beaucoup de péripéties dans cet après-midi. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre like, vous abonner, la cloche, ça soutient toujours. Et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Camille Scooter. Ciao.
Congourlu. Congourlu.